Je remercie tous mes confrères pour leur soutien moral et autre. On est tous, c'est pas seulement le docteur Hamdi qui est touché, mais tout le corps médical il est touché, vraiment. Et c'est pas uniquement le corps médical, mais c'est la santé de notre pays qui doit être, qu'on espère qu'il va dans un, qu'il soit dans une, qu'il soit au niveau des attentes des médecins, de tous les personnels de la santé, pour dans le but de délivrer des soins de santé de haut niveau, de qualité pour nos citoyens. Donc ce jour-là, voilà. Ce jour-là, vous étiez présent pour la cause du médecin. La cause du médecin en premier et la cause de et la santé du citoyen, bien sûr, ça ne diffère pas de problèmes du médecin. Est-ce que vous mesurez le soutien de milliers de médecins qui sont aujourd'hui derrière vous? C'est pour cela que je vous dis, c'est leur soutien qui nous tient debout toujours. Je le remercie infiniment. Je suis pas le seul touché, comme je l'ai dit. Je sentais que tous nos confrères sont atteints. Après leur visite, leur soutien, les appels, la visite sur les lieux, bon. Je découvre à travers vos paroles que vous n'êtes rancunier contre personne, malgré tout. Mais bien sûr, parce qu'on est ouvert sur. On n'est pas rancun. Un médecin ne peut pas être rancun. Non, notre objectif, premier objectif, c'est l'être humain en premier. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de battre, c'est pour ces objectifs là qu'on combat, Inch'Allah, on va y arriver, Inch'Allah. Merci. Merci à vous.